Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des tractions à amplitude complète ainsi que la méthode de progression que je trouve la plus efficace, optimale. J'ai testé sur de nombreuses personnes, hein, hommes, femmes, de 20 jusqu'à plus de 50 ans, quoi. Ils sont toutes parvenues en quelques mois de pratique assidue à y arriver. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point au niveau justement de l'amplitude sur les tractions. Alors pour ça, on va utiliser une petite barre légère ou un bâton si vous en avez un, pour vous démontrer que, contrairement à ce que disent pas mal de, en général, des bodybuilders ou des spécialistes de musculation, donc pas du tout des spécialistes de discipline de calisthénie à poids de corps comme je fais moi, ou de gymnaste, qui disent que, suivant l'anatomie, notamment longueur des segments, au niveau du bras, biceps, le cou trop court par exemple, on ne peut pas passer le menton au-dessus de la barre. Alors c'est de la foutaise totale, du n'importe quoi. Et je vais vous le démontrer tout simplement. Avec une barre comme ça, oui. Donc on va simuler le mouvement de la traction, mais dans le vide, avec quasiment aucune contrainte de force musculaire, quoi. Donc ça va être juste articulaire, purement et simplement. Ouais. Donc quand on démarre sur une traction, la prise pronation, à peu près largeur d'épaule, la bonne traction de base classique, on est là, suspendu dans le vide. Ouais. Et on actionne les muscles du dos, on commence le tirage, tac, 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 la barre arrive, passe le menton, et on atteint éventuellement les clavicules, haut de la poitrine. Et plus on gagne en force, plus on arrive à amener la barre loin vers le bas, là, le long de la poitrine. Arriver idéalement, vous voyez, plexus ici, c'est la transition idéale là, pour faire du muscle-up. Et après, on peut continuer à monter et descendre vers le bas-ventre, les hanches et le bas des cuisses. Donc ça, c'est l'amplitude complète si on veut faire un muscle-up strict. Pour la traction stricte, complète, niveau menton, on s'arrête là. Oui. La barre est dans le vide, là, un peu devant la gorge, comme ça. Aucun problème là, pour arriver à cette amplitude. Ici, quoi. Donc pour vous montrer que c'est tout simplement possible d'amener une barre ici, tout le monde peut le faire, oui. Quelle que soit votre anatomie, niveau ossature. Prenez un bâton, amenez-le là. Et même, on peut toucher la poitrine sans aucun problème. Toucher les pecs. D'ailleurs, quand je suis ici, là, sur la poitrine, vous voyez, tire les coudes vers l'arrière, comme ça. On rétracte au niveau du dos. C'est exactement aussi la position basse quand on fait un développé couché, allongé sur un banc, quoi. Et ces mêmes personnes, bodybuilders, qui disent qu'à cause de leur anatomie, ils ne peuvent pas passer le menton au-dessus de la barre. Pourtant, ils ont d'autres vidéos où ils arrivent bien à toucher la poitrine comme ça quand ils font du développé couché ou du développé incliné. Ce qui est exactement la même posture. Oui. Ça, c'est la position haute d'une traction complète poitrine. Et c'est la position basse d'un développé couché ou d'un développé incliné. Donc, une petite marge de manœuvre sur la poitrine. Oui. Et la contrainte anatomique articulaire est exactement la même pour tous ces exercices-là. Donc, la seule raison que des personnes n'arrivent pas à passer le menton au-dessus de la barre quand ils font une traction, c'est tout simplement un manque de force dans le dos. Et rien d'autre. Voilà. Mais question d'ego, il y en a beaucoup, ils ne veulent pas l'admettre. Alors ils vont se trouver des excuses à la con. Voilà, les muscles engagés dans les différentes étapes d'une traction, quand on est en suspension, bras tendu tout en bas, quoi, on va amorcer le mouvement, c'est surtout le grand dorsal qui va se mettre en jeu, gros muscle sur les côtés, qui remonte aussi vers l'intérieur, qui va un peu vers l'intérieur du dos. Plus vous allez, on va commencer à monter, augmenter l'amplitude, il va falloir engager les muscles du milieu du dos, notamment trapèze, rhomboïde, c'est les deux principaux, là, quoi. Et les rétracter à mort et les travailler en force, les renforcer. C'est ça qui va vous permettre, de passer le menton et même éventuellement aller toucher la poitrine, pour
de traction de niveau un peu plus difficile. Donc toujours en restant avec la barre, là, comme ça, je vais vous montrer les différents niveaux de difficulté sur une traction. Tout simplement. On peut jouer sur deux critères principaux pour augmenter la difficulté d'une traction. Premier, l'amplitude, la hauteur à laquelle on monte. Ouais. Plus vous allez vous montrer haut, quoi, donc menton, haut de la poitrine, milieu des pecs, là, et même plexus éventuellement, plus il faudra de force dans le dos. Hein. C'est comme si on rajoutait du poids sur une machine et il faut pousser de plus en plus fort, plus en plus lourd, donc c'est de plus en plus dur. Voilà. Plus on monte, plus il faut être costaud. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à monter, tout simplement, il n'est pas assez fort, quoi. Il manque de force. Aucune autre raison. Autre façon d'augmenter la difficulté, l'intensité de la contraction musculaire sur une traction, c'est d'écarter les mains, oui. Augmenter l'écart au niveau de la prise, comme ça. Plus on est large, oui, ici, plus il faudra tirer fort au niveau des dorsaux pour monter. Et on atteint facilement les mêmes amplitudes. Même niveau articulaire et mobilité, plus on écarte, plus c'est facile pour monter. On a moins de contraintes articulaires et osseuses quand on veut grimper avec les bras écartés, hein, comme ça. Quoi. Et plus on écarte, plus on supprime potentiellement un éventuel bras de levier. Hein. C'est bras en croix, comme ça. Il n'y a aucun problème pour venir plaquer une barre sur la poitrine. On le voit bien avec un élastique. C'est au style. Là. Je prends un élastique, vous voyez. Plus je vais augmenter l'écartement, plus c'est facile de venir toucher la poitrine. Ouais, niveau mobilité, quoi. Plus ça va se rapprocher. Par contre, niveau musculaire, pour grimper comme ça, là c'est la position croix de fer pour les gymnastes. Là, il faut une force exceptionnelle. Ce qui fait que donc, on commence, hein, largeur d'épaule, c'est la plus facile. Plus on écarte, plus ce sera dur à grimper. Et il y a la traction ultime, accessible hein, seulement pour vraiment les grands experts, les experts gymnastes élites et tout. Ça se fait aux anneaux, on part ici et on monte tendu tout le temps. Et on passe en transition croix de fer et éventuellement il continue sur des muscle-up, planches ou autre. Ouais, je vous montre en même temps une petite vidéo là, de démonstration de gymnastes au niveau olympique, de ce qu'ils font avec les bras tendus. Donc pour vous prouver que l'excuse « Ah, j'ai pris trop large, c'est pour ça que je peux pas monter », c'est faux. Hein. Quand on voit ces mecs-là, on se rend compte qu'il faut juste être exceptionnellement fort pour y parvenir. Donc, maintenant qu'on a mis au clair ce petit point important, avec la bonne méthode d'entraînement, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut arriver à passer le menton au-dessus de la barre. C'est juste une question de développement de force. Et pour ça, il faut la méthodologie correcte. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour y parvenir, il vous faudra... On va commencer par ce qu'on a le tirage horizontal, rowing horizontal de la poitrine, avec le corps incliné, le dos face au sol. Il va falloir régler une barre à peu près à hauteur de la taille nombril, plus ou moins là, où vous pouvez même monter jusqu'au plexus. On va dire entre le plexus et le début de la vessie, quoi. Bon, entre mes deux mains, vous réglez une barre dans ce niveau de hauteur. Ça va être l'idéal là pour les rowings. Et si vous n'avez pas de barre à hauteur modulable, vous pouvez faire ça avec des anneaux de gymnastique, vous voyez, on peut très facilement régler la hauteur. A savoir que plus la barre ou les anneaux seront bas, plus votre tirage horizontal sera difficile, il faudra de plus en plus de force. Donc on peut aussi régler, vous voyez, la difficulté là, du rowing, qui est la première étape, en réglant la hauteur du support. Alors si vous avez accès à une salle de sport, quand elles rouvriront,
si vous avez la machine chez vous. Il y a les machines de squat guidées, vous voyez, où on peut régler la hauteur de la barre, vous la mettez sur les clips de sécurité, vous la posez, et vous pouvez faire votre tirage comme ça, poitrine. Ou sinon, l'idéal, c'est d'avoir un espalier, comme celui-ci, avec un module de traction à hauteur réglable. Voilà, justement, je vais le régler à la bonne hauteur et vous montrer le mouvement du rowing. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai positionné le module traction, là, de l'espalier. Niveau de taille, hanche à peu près nombril, hein, comme ça. Donc ça, hauteur, voilà, idéal hein, pour faire le rowing. Donc le premier exercice qu'on va voir, si vous débutez, vous ne savez pas faire de traction, ben, on commence par là. Et je vous conseille aussi, si vous savez faire des tractions, mais que vous voulez vraiment avoir le ressenti, l'expérience là, des premiers niveaux de préparation musculaire là, pour en calisthénie gymnastique, je vous conseille de les essayer aussi, quoi. Vous verrez, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et là, vous allez vraiment cibler trapèze, rhomboïde, grand dorsal, vraiment en force pour développer l'amplitude et pouvoir passer avec facilité le menton au-dessus de la barre hein, lors des tractions classiques. Mais il faut commencer par les bases, c'est ce mouvement-là, donc le rowing, et on va y aller. Alors, sur ce premier niveau, il y aura des longs maintiens en statique isométrique. On développe aussi le grip, et pour garantir que les mains ne glissent pas, je vous conseille de mettre de la magnésie. Alors on va commencer avec une prise en supination, c'est-à-dire les paumes de main vers le visage, comme ça. Ce qui fait qu'il y aura une plus grosse assistance au niveau des biceps, et qui va faciliter le mouvement. Vous attrapez la barre, largeur d'épaule à peu près pour les mains, voilà, comme ça. Ouais, vous poussez sur les jambes pour venir plaquer la poitrine contre la barre, et là, on reste. Donc les pecs, là, la poitrine en contact de la barre, et on maintient. Objectif ici, c'est tenir 30 secondes en statique, ouais, sans quitter le contact de la barre. Donc il faut rétracter à fond dans le dos, quoi. Voilà, c'est bien serré, engager les biceps. Une fois les 30 secondes passées, vous descendez en 10 secondes, là, vous voyez, une descente lente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste en bas suspendu 30 secondes de plus. Donc là, on apprend pareil, hein, bien étirer les bras, les dorsaux dans la position basse. Restez gainé, hein, pas laisser tomber les fesses comme ça dans le sol. On garde une activation, la contracter les lombaires, les fessiers, les cuisses, dans la position basse, la bras tendu. Voilà. Et une fois les 30 secondes passées, vous posez. Donc ça fait une répétition, une série. Alors au début, hein, fort probablement, ben c'est le plus dur, c'est la position haute. Gardez le contact de la poitrine contre la barre. Fort probable que vous ne teniez pas 30 secondes. Donc on commence au début, hein, ça peut être 5 secondes. Après on passe à 6, 7 et ainsi de suite pour monter à 30. Si vous n'êtes pas arrivé à 30 secondes dès le moment que la poitrine ne rentrera plus en contact de la barre, vous commencez à entamer la descente lente sur 10 secondes. Ouais. Une belle phase excentrique en force, toute contrôlée, jusqu'à tendre les bras. La phase en bas, bras tendus, normalement, elle ne pose pas trop de problèmes pour la maintenir 30 secondes dès le premier coup. Sauf si votre poigne lâche. Donc ça aussi, en pratiquant, vous allez développer le serrage, l'endurance musculaire dans les doigts. Voilà, une fois que vous avez fait donc, une répétition comme ça, vous prenez une minute de repos et vous repartez pour la suivante. Objectif pour maîtriser ce niveau, c'est faire 4 tours comme ça, 4 séries. 30 secondes en haut, 10 secondes de descente, 30 secondes en bas. Donc ça, niveau 1, avec les mains en supination. Une fois que vous aurez validé ce niveau-là, on va faire du rowing, mains en supination, et en dynamique, montée-descente, là on envoie les répétitions.
Mais à chaque fois, avec l'amplitude complète, c'est-à-dire touche la poitrine sur la barre en haut et on tend complètement les bras en bas. Donc, je vous la montre. Ouais, je mets sous la barre, gaine bien, jambes tendues. Alors, un petit détail, ouais. Si avec les jambes tendues c'est trop difficile, vous pouvez un peu les plier comme ça va faciliter. Y compris pour le statique, là, j'ai montré avant, les jambes fléchies, un peu plus simple qu'avec jambes tendues gainées. Voilà, ça peut être on va dire une demi-étape intermédiaire. C'est vous pouvez tenir 30 secondes en statique avec les jambes pliées, vous le validez, vous le tentez après avec jambes tendues, quoi. Ce sera un peu plus difficile. Donc pour le rowing, pareil, hein, c'est premier, vous tentez jambes fléchies éventuellement. Et le but, ce sera d'y arriver avec les jambes tendues. Voyez, on part comme ça. Bien allongé. Monte, contact. Redescend. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc, objectif pour valider ce deuxième niveau, rowing main supination. Il faut 15 répétitions et la poitrine doit toucher la barre à chaque répétition. Si la poitrine ne touche pas la barre, la répétition ne compte pas. Donc, à recommencer. Voilà, donc pour ce niveau, avec rowing là en répétition, hein, série de 15, pareil, 4 séries, 1 minute de récup maximum entre chaque série pour valider le niveau. Voilà. Donc on fait un 4 x 15 au final. Une fois que vous aurez maîtrisé donc, le rowing supination, on va reprendre les deux premiers niveaux, mais avec les mains en pronation. Ouais. Un même système ici, mais en pronation. Donc là, nécessitera encore plus de force hein, dans les dorsaux et dans les avant-bras et tout pour monter et tenir la position. Donc on monte en intensité et en difficulté. Donc même système. Vous pouvez pareil, hein, quand vous tentez la pronation pour la première fois, le faire avec les jambes pliées si nécessaire. Et vous pressez, tape la poitrine contre la barre, pied écarté, et là on tient. Voilà, objectif sur celui-ci, 20 secondes, ça fait l'affaire. Et on redescend en 10 secondes aussi, lentement, vous voyez. Et après, 30 secondes en extension complète en bas. Donc, même système que le niveau 1, avec les mains en pronation. L'écartement, largeur d'épaule ou un peu plus large, vous pouvez comme ça, en étant un peu plus large, au niveau du bras de levier, sera éventuellement un tout petit peu plus simple pour monter. Mais pas garanti non plus. Voilà, et là pareil pour valider ce niveau. Donc 4 séries, 1 minute de récup entre chaque, 20 secondes d'isométrie en haut, poitrine contre barre, 10 secondes en descente lente, et 30 secondes bras tendus en bas. Maintenant, le quatrième niveau qui vient juste après. On fait le rowing main en pronation en répétition dynamique en venant toucher la barre avec la poitrine à chaque montée. Avec jambes tendues hein, si possible. Alors vous pouvez écarter les pieds un peu, c'est pas trop grave, hein, mais éventuellement si vous voulez vraiment le perfectionner à fond, vous le faites après en pieds joints. Nécessite de gainer plus fort. Et là, monte, descendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour celui-ci, vous voyez, 4 séries de 12, ce sera suffisant.
on descend le nombre de répétitions, plus on progresse. Dans les niveaux de difficulté. Hein. Plus on monte dans les niveaux de difficulté, plus les séries deviendront courtes. Donc voilà. Rowing dynamique. 1 minute de pause. Et vous repartez pour un tour. Objectif, faire les 12 répétitions sur vos 4 séries. Après, une fois que vous avez terminé vos séries de rowing, comme ça, on va commencer à bosser les suspensions en parallèle. Donc je vous recommande de le faire après cet exercice. Alors, pour les suspensions, à faire donc sur une barre fixe, les pieds dans le vide, à faire après les 4 séries de rowing en pronation, là je vous ai montré quoi. Donc tant que vous n'arrivez pas à faire 12 répétitions, vous faites quand même derrière les suspensions, hein, juste après cet exercice, quoi qu'il arrive. Au niveau des suspensions, on va alterner les deux prises, supination, première suspension, supination, deuxième pronation, et voilà. Et pareil, on va faire 4 passages, hein, 2 fois en supination, 2 fois en pronation. Ça va vous apprendre donc à bien allonger les bras, et étirer les muscles et les tendons et renforcer vos articulations. Voilà, se sentir à l'aise en étant pendu comme un singe. De manière, après, quand on va attaquer les tractions, le niveau suivant, on va commencer à grimper sur une barre fixe. Et bien, on va commencer à s'habituer à pouvoir descendre complètement tendu. Du coup, l'idéal, c'est d'apprendre les suspensions avec les pré-niveaux de rowing. On commence par la première, voyez, supination, largeur d'épaule ici, voyez, je lève comme ça. Jambes tendues, hein, comme ça, si vous pouvez, bien dans le vide, pieds joints, jambes tendues. Petit engagement dans les épaules, tendez bien les bras, s'habituer au truc. Objectif, 30 secondes là-dedans, comme ça. Vous soufflez, ouais, 30 secondes à peu près, et vous faites la deuxième suspension avec les mains cette fois en pronation et dans l'autre sens. Là. Là, comme ça, hop, on suspend dans le vide. Jambes tendues ou un peu pliées, là, pas trop important. Après, si vous voulez vraiment de la position stricte, hein, vous faites les pieds joints, jambes tendues. Si la hauteur de votre support le permet, si votre barre est pas assez haute pour avoir les jambes tendues, vous gardez les genoux un peu pliés, genre talons vers les fesses. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir les pieds dans le vide. Donc idem, 30 secondes dans cette position-là. Et vous faites 2 passages de chaque. Hein. 2 fois en supination, 2 fois en pronation. Le but, tenir 30 secondes et être bien, que ça fasse pas mal aux épaules, pas mal aux coudes. Bien renforcer les tendons. Une des vidéos là, que j'ai fait précédemment là, avec le renforcement justement des épaules, articulations, il y a beaucoup de suspensions. Vous pouvez travailler ça en même temps que ça. Faire les deux dans la même séance. Alors une fois le niveau 4, hein, les rowing pronation avec les suspensions qui vont derrière maîtrisées, on passe au niveau 5. Donc c'est le premier des niveaux d'apprentissage là où on va vraiment décoller. Pareil, on va commencer avec de la prise supination, donc paume vers le visage et le menton au-dessus de la barre. Alors pour ce niveau-là, c'est fait pour des personnes qui ne sont pas censées pouvoir faire éventuellement une traction encore. Alors pour se mettre en position, vous pouvez utiliser une box ou une chaise, un banc pour vous hisser, passer le menton au-dessus de la barre et après vous décoller les pieds dans le vide. Le principe là, sur ce niveau, on prend la prise supination, largeur d'épaule, et vous montez sur votre support, ou bah, si vous avez déjà force pour faire une traction, alors vous tractez pour hisser le menton au-dessus de la barre, comme ça. Sans toucher la barre avec le cou, ni le menton, ni la poitrine, et là on reste en statique ici.
jambes tendues, éventuellement, ou plier la poitrine. Le plus important, c'est avoir le menton vraiment bien au-dessus de la barre et maintenir la position. Objectif, tenir ici en statique 30 secondes, hein, bien renforcer le milieu du dos. Comme ça. Vous voyez, là, c'est la position haute d'une traction menton, main en supination. Donc, on apprend à la tenir, à renforcer les muscles dans les angles qui s'approchent de cette position. Voilà, une fois qu'on a fini les 30 secondes, ben on redescend en contrôle, bras tendus, et vous restez suspendu dans le vide. 30 secondes de plus, là. Ouais. Là, on se met dans la position basse. On travaille vraiment les deux extrêmes en statique, position haute, position basse. 30 secondes dans les deux. Et ça fait une série ou une répétition. Hein. Donc là, ouais, on fait des répétitions uniques, hein, donc ça fait une série, mais dure 1 minute. 30 secondes en haut, 30 secondes en bas. Alors pareil, là, l'objectif, c'est faire, pour valider ce niveau-là, pouvoir le faire 4 fois, hein, 4 séries dans la séance, avec 1 minute de récup, à peu près, entre chaque passage. Alors au début, ça va vraiment être traumatisant. Les avant-bras, là, le dos va prendre vraiment cher. Donc si vous avez besoin de plus d'une minute pour commencer, prenez plus qu'une minute entre chaque passage. Pareil, au début, possible que vous ne teniez pas les 30 secondes. Donc ça peut être, vous voyez, visé 4 fois 10 secondes, après la semaine d'après, 4 fois 13, 4 fois 15, et ainsi de suite pour monter à 4 fois 30 secondes en haut. Allez, 30 secondes en bas, il ne pose pas de problème en général. Surtout qu'au niveau précédent, vous êtes habitué aux suspensions, un bras tendu. Mais là, on les colle juste derrière, sans temps mort entre les deux, entre la position haute et la position basse. Donc, le fait de rester 30 secondes en haut, 30 secondes en bas, vous allez complètement habituer votre corps aux deux amplitudes extrêmes, position haute, position basse. Voilà. Vous serez préparé à aller les rechercher. On passe au niveau 6. Une fois que vous avez validé les 4 fois 30 secondes en haut plus 30 secondes en bas. Alors, niveau 6, on se met toujours, ça va être la même position de départ. On va démarrer le menton au-dessus de la barre en montant avec une chaise, un banc ou une box ou en sautant, hein, comme vous voulez. Le but, là, vous vous mettez en position haute sans effort. Et à partir de là, on va faire des descentes lentes contrôlées sur 10 secondes pour arriver en bas. Donc une descente de 10 secondes, ça fera une répétition. Dès que vous arrivez tendu en bas, vous remontez pour en enchaîner une deuxième. Et le but, c'est de faire 5 répétitions consécutives en descendant à chaque fois en 10 secondes dans la même série. Donc ça va être une sorte de, ouais, d'excentrique contrôlé lent pour bien renforcer tous les muscles du dos dans tous les différents angles. Et le fait d'y aller lentement, ça permet vraiment d'avoir un temps de contraction conséquent qui va vous développer la force. Si on va trop vite, trop tôt, le développement de force sera quasiment négligeable et là c'est de la perte de temps. Du coup, il faut faire vraiment ce qu'on appelle les négatifs lents, des statiques et des négatifs lents. Donc, on reprend, supination, je monte au-dessus de la barre et là on descend, disons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, bien tendu, pose les pieds au sol, remonte sur la box, saute, deuxième rep, là pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien tendu, pose, on saute, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais. Et objectif, c'est pouvoir enchaîner 5 répétitions consécutives de cette façon-là. Alors là, pour valider ce niveau-là, il faut faire 5 séries de 5 répétitions comme ça. Chaque répétition durant 10 secondes. Ce qui fait qu'une série, bah c'est vrai,
5 fois 10 secondes, 50 secondes dans la descente. Le temps de monter, ça fait 1 minute par série en serrant bien la barre et en développant toute la force qui sera nécessaire pour remonter. Et alors, le temps de repos entre chaque passage, pareil, 1 minute, objectif pour valider. Au début, pareil, hein, au bout d'une minute, vous êtes fumé, vous sentez que vous pouvez pas repartir, vous prenez plus. Le but, c'est faire le même nombre de répétitions et le même temps de descente sur toutes les séries. Par exemple, hein, descendre, pareil, vous faites 5 répétitions, vous descendez, quelqu'un commence en 3 secondes, 5 fois 3 secondes sur les 5 séries. Prenez 2-3 minutes de repos s'il faut. Semaine suivante, 5 fois 4 secondes, toujours 2-3 minutes de repos, jusqu'à monter à 5 fois 10 secondes, avec éventuellement 3 minutes de repos entre chaque. Et une fois que vous avez ça, vous continuez sur du 5 fois 10 secondes, mais vous raccourcissez les temps de récup entre les séries. Ce qui va vous donner de l'endurance musculaire, vous donner de la condition physique nécessaire pour après, quand on fait de la calisthénie, street workout, gymnastique, pour enchaîner les figures. Donc c'est avec les fondamentaux comme ça qu'on bosse notre endurance musculaire en repartant le plus rapidement possible. Donc on passe au niveau suivant. C'est le septième niveau. On va faire justement les tractions complètes, supination, amplitude menton. C'est l'amplitude qu'on a fait dans les descentes lentes au niveau précédent. Normalement, si vous faites 5 séries de 5 répétitions en descente en 10 secondes, vous avez toute la force nécessaire pour envoyer 2 ou 3 tractions suppi en dynamique en montée-descente. C'est vraiment... Alors la méthode que je vous présente là aujourd'hui, c'est la méthode la plus efficace de toutes celles que j'ai pu tester sur de nombreux élèves. Ouais, elle nécessite juste une barre, quoi. On n'a pas besoin d'élastique et compagnie. Hein. Parce que j'ai aussi testé avec des élastiques d'assistance. Et je trouve que c'est bien moins efficace. Hein. C'est quasiment du simple au double pour, au niveau du temps de maîtrise de la traction. Hein, avec ce que je vous montre là, sans artifice extérieur, sans élastique, bah, quelqu'un qui n'est pas en surpoids, quoi, poids normal au niveau de l'IMC, quoi, c'est entre 3 et 6 mois pour arriver à faire des tractions sans aucun problème, quoi. Pour un débutant complet, en passant par les étapes de rowing là, qu'on a vu. Quoi. Si vous utilisez de l'élastique en assistance, c'est beaucoup moins efficace, parce que l'élastique n'a pas le même niveau d'assistance suivant l'amplitude qu'on prend. Quoi. Donc ça donne un développement de force inégal, et moi j'aime pas ça. Quoi. Et d'ailleurs en gym, on les utilise pas non plus. Quoi. On utilise les élastiques que pour des exercices de souplesse, de stretching, pas pour de la force. Comme ça. Donc on passe au niveau 7, ben là ça va être les tractions complètes en supination. Prend la barre, la largeur d'épaule, démarre tendue, voilà. Monte, une, descend bien tendue, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, critère de maîtrise, 4 séries de 10 répétitions pour valider ce niveau. Si le menton passe pas au-dessus de la barre, la répétition ne compte pas. Voilà. Aussi simple que ça. Et tendez bien, redescendez tendu en bas hein, le plus possible. Quoi. Pas forcément une hyperextension, mais au moins ça. Hein. On peut garder une très légère flexion, mais pas comme ça. Hein, quoi. Voilà. De 180 à 175 degrés au niveau de l'extension des bras dans la position basse. En haut, là, pour passer le menton. Ouais. La tête droite et la barre sous le menton, c'est ça l'amplitude qu'on veut. Là, en étant en supination, comme ça. Ouais. Pas là. Là, on n'est pas allé assez haut. Et ouais, ne penchez pas la tête vers l'arrière pour remonter le menton, ça c'est de la triche. Parce que vous voyez, si je la remets droite,
j'ai la barre au-dessus de mon menton. Parce que là, on croit qu'on est monté, mais c'est pas vrai. Et en plus, on met du stress dans les cervicales, totalement inutile. Et non. Tête droite. Le menton au-dessus de la barre. Vous voyez, on est décontracté dans la nuque, hein. Il n'y a pas d'effort. La tête est droite, détendue. Donc, ouais. Pas ça. Là. Super important, respectez-le. Si vous devez hisser en haut pour simuler le menton qui passe au-dessus de la barre, la répétition n'est pas validée, le mouvement n'est pas correct. Ça veut dire qu'il vous manque de la force dans le dos, dans ce cas-là, vous reprenez les pré-étapes là, qu'on a vues et vous continuez dedans, ça fait pas de mal. Donc là, on a maîtrisé les tractions, supination. Maintenant, vous avez une bonne base, là, une dizaine de tractions, supination. On va rattaquer la même chose avec les mains, hein. Pronation là, vers l'avant. Quand on arrive maintenant là au niveau 8, ça va être les maintiens statiques, menton au-dessus de la barre, mais avec les mains en pronation. Donc tenir en haut, 30 secondes, menton au-dessus de la barre, enchaîner de tenir en bas, bras tendu, 30 secondes juste derrière. Ce qui fait que la répétition dure une minute. Pour la considérer maîtrisée. Alors pareil, pour monter en position, vous utilisez une chaise, un banc, une box ou en sautant. Le but, c'est de monter sans effort. Place les mains, grosso modo largeur d'épaule ou un tout petit peu plus large. Hein, voilà. Un écartement où vous sentez bien, qui vous semble le plus naturel possible. Et de là, on se hisse aussi, menton au-dessus de la barre. Et objectif, tenir. Une trentaine de secondes. Alors par rapport à la supination, celui-ci il est beaucoup plus corsé déjà. Respirez bien profond dedans pour le maintenir. Ouais, toujours la tête droite, le menton franco au-dessus de la barre. Et quand vous avez fait les 30 secondes, on redescend en contrôle, bras tendus. 30 secondes de plus en bas, complètement allongé au niveau des bras, petit engagement dans les épaules éventuellement, ou si vous avez vraiment une bonne souplesse, un bon renforcement des tendons, vous pouvez complètement vous relâcher là-dedans. Là, ce qui va commencer en général à fatiguer, c'est la poigne au niveau des mains, parce qu'on est pendant une minute suspendu sur la barre sans mettre les pieds par terre. Donc voilà, pour ce niveau-là, donc 30 secondes en haut, 30 secondes en bas. Pareil, 4 tours. Une minute de récup entre chaque passage pour valider le niveau. Alors ça, ce qui va fumer le plus, ça va pas être le dos, mais ça va être vos avant-bras. Là. Le fait de serrer, de maintenir en haut. C'est un super exercice de renforcement d'avant-bras aussi en même temps quand on travaille bien. Voilà, une fois ce niveau maîtrisé, on peut passer au suivant. Ça va être comme en supi, on va faire les descentes lentes, mais en pronation. 10 secondes à chaque descente. On monte sans effort à l'aide d'une box, d'une chaise ou autre. Et on fait 5 répétitions dans la série, 5 fois 10 secondes. Et ici, la descente. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Monte. Pour la deuxième, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on continue. Suivante, là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à faire 5 fois de suite. Alors pareil, là, pour maîtriser ce niveau, 5 séries de 5 descentes lentes en 10 secondes. Temps de repos entre les passages, 1 minute aussi à peu près. Alors pareil, une fois que vous avez fait vos 5 séries, de descente sur ce niveau-là,
Je vous recommande de faire quelques suspensions dans le vide, bras tendus, ouais, pour vous, vraiment vous mettre en mode singe. Apprendre à être tendu en bas, que ce soit confortable. On prépare vraiment tous les tissus connectifs, là, les tendons, les ligaments, on les renforce dans tous ces niveaux-là. Tout se fait en contrôle. Voilà. Le but, c'est d'avoir le maximum d'aisance, hein, dans ces positions. Alors, bah, on passe maintenant au niveau 10. C'est les tractions, donc main en pronation complète, avec le menton au-dessus de la barre en position haute et les bras tendus en bas. Prends la prise, à peu près largeur d'épaule. Des mains tendues dans le vide et on y va là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Donc pareil, ce niveau, pour le maîtriser, 4 séries de 10 répétitions, pouvoir repartir toutes les minutes. Donc une minute de pause entre les séries là pour valider. Et là, quand vous faites un 4x10 comme ça, traction complète, menton au-dessus de la barre. Ah bah, déjà comme ça, réalisé comme je viens de vous les montrer, bah, vous êtes au-dessus de la moyenne de 99% des gens qu'on voit dans les salles de sport. Comme ça, c'est extrêmement rare de voir les jambes bien les faire. Donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, suivant la hauteur du support, si votre barre de traction n'est pas assez haute, on est obligé de plier les jambes en bas, ce qui est mon cas là ici avec cet espalier, quoi. Donc on fléchit un peu, style talon-fesse, quoi. Mais sinon, si vous avez vraiment une barre très haute, idéalement, c'est jambes tendues, pieds joints, et l'amplitude là que je vous ai montré. Ce que je vous recommande aussi, là, ça peut être soit entre les séries de traction quasiment, ou après les avoir faites, c'est de continuer avec des suspensions dans le vide. Bras tendus, pendez-vous comme des singes, hein, prenez l'habitude de cette position-là, quoi. Ça va vous étirer les dorsaux et puis vous renforcer de manière générale. Donc c'est bon pour la santé. Suspendez-vous le plus possible. Prenez, ouais, n'importe quel prétexte doit être bon pour se suspendre. Ça doit même devenir à la longue reposant. Alors, une fois les tractions complètes, là en pronation, montant au-dessus de la barre maîtrisée, si vous voulez continuer à monter en intensité, dans ce cas-là, on va venir chercher le haut de la poitrine, clavicule, là, venir taper le haut de la poitrine contre la barre. Donc ça, c'est le niveau suivant. Ça va nécessiter encore plus de force, hein, pour aller de plus en plus haut, quoi. C'est la progression logique. Quand on a le menton, 10 reps, bon, maintenant, après, on tente la poitrine. Donc le premier niveau, là, pour de maîtrise poitrine, pareil, on va commencer sur du statique aussi, de l'isométrie, quoi. Et on reprend, on rebalote, on reprend de la supination. Donc là, maintenant à ce niveau-là, là on a la force, hein, pour monter sans problème. Vous allez grimper, plaquer la poitrine contre la barre et tenir en statique là-haut. Poitrine contre barre, clavicule contre barre, là. Et tac, contact ici. Donc objectif, là, c'est rester une vingtaine de secondes dans cette position. Et après, vous lâchez, vous tendez, et vous restez pareil, pendu en dessous, 30 secondes, dans la foulée. Par rapport à la position haute, là, on est en bas, ça fait du bien, ça décontracte, ça soulage. Donc pour celui-ci, vous voyez, clavicule contre la barre. Je vous montre de près avec le bâton, vous la placez là, comme ça. Vous voyez mon écartement de main ici. On tire les coudes là vers l'arrière, bam, permet de placer, ou comme ça. Vous voyez.
obligé de la tirer les coudes vers l'arrière, contracter le triceps, l'arrière des épaules, et rétraction au maximum dans le dos, pour pouvoir aller chercher ici. Alors, pour plaquer là, il faut vraiment de la patate, hein, de la force, un bon paquet de force, quoi. C'est l'étape suivante après le menton. Donc là, sur ces maintiens statiques, 20 secondes en haut, 30 secondes en bas, faire 4 séries. Temps de repos, une bonne minute entre chaque passage. Et quand vous aurez maîtrisé ça, bah après, vous pouvez attaquer directement les tractions, supination, clavicule, haut de la poitrine, qui touche la barre à chaque répétition. Voilà, le niveau 12, traction, supination, touche la poitrine sur la barre à chaque montée. Objectif, hein, série de 10 pour celui-ci. Quoi. Bah, comme les autres, hein, comme les variantes menton. Quoi. On prend la position. Voilà. Allez, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bien dynamique, mais contrôlé toujours. Et amplitude totale. Touche les pecs. Dans les bras en bas. Ben là, ça commence à devenir plus corsé là, au niveau de la condition physique. Entre les séries, vous pouvez prendre 3 minutes de repos. Ouais. 1 à 3 minutes. 3 minutes max, 1 minute minimum. Et vous repartez. Le but, pareil, faire 4 tours. 4 séries, 4 fois 10. Donc là, c'est si vous ne touchez pas la barre avec l'eau de la poitrine, la répétition ne compte pas, elle n'est pas validée. Idem, une fois que vous avez fini vos séries, là, enchaînez sur des suspensions, jouez un peu au singe derrière pour vous décontracter, continuez à renforcer les épaules, hein, les bras de manière générale, puis tout étirer, tout allonger. Ça fait du bien après la série de force là, de traction. Donc si on suit cette logique de progression, ouais, on va... Bah, petit à petit, on alterne la supination, de la pronation. On fait les mêmes exercices pour l'un, pour l'autre. On commence par les supis, parce qu'elles sont plus faciles. Et on refait la même amplitude, on retente après bah, les niveaux supérieurs, on tente les mêmes amplitudes en pronation. Et on va chercher de plus en plus haut. Menton, haut de la poitrine, milieu poitrine, plexus. Et ainsi de suite. Et après... C'est muscle up, strict, tout en force, sans balancier, on monte tout droit, voilà, cool. Donc c'est comme ça qu'on doit pratiquer, hein, si vous voulez gagner un maximum de force, au niveau du dos et sur vos capacités de tirage. Voilà la bonne méthodologie. Ouais, donc les tractions, pronation, poitrine, pareil, hein, avant de les tenter, bah, vous vous entraînez, maintien statique, on tape la clavicule contre la barre et on reste objectif aussi une vingtaine de secondes. Alors celui-ci va être extrêmement difficile. Hein, la supination déjà poitrine contre barre elle est chaude. Alors, en pronation, ça va trembler de partout. C'est normal, ça fait mal. Pronation, haut de la poitrine, clavicule au contact de la barre et objectif c'est pouvoir maintenir la position pendant une vingtaine de secondes. Barre tendue, monte, plaqué et restez. Voilà. Et dans la foulée, vous redescendez. 30 secondes de suspension en bas, bras tendus. Ben c'est relaxant comparé à ce qu'on vient de bouffer en haut. Voilà. Là, idem, pour valider ce niveau, 4 tours, 4 séries.
repos jusqu'à 3 minutes entre les passages. Ouais, donc là, on commence vraiment à passer sur des exercices de force de plus en plus difficiles, de plus en plus intenses. On est obligé d'augmenter les temps de récup. Logique. Voilà, une fois ce niveau maîtrisé, donc maintien statique, pronation, haut de la poitrine contre la barre, niveau suivant, rebelote. C'est les tractions, pronation, poitrine contre barre. À chaque répétition, chaque montée, vous devez toucher et redescendre tendu. Voilà. Et après ça, si vous voulez continuer à augmenter la difficulté, plusieurs possibilités. Soit on continue à aller chercher encore de plus en plus haut. Ouais. Amener la barre, aller monter le buste un peu en plus haut. Donc c'est amener la barre un plus en plus bas sur la poitrine, ouais, comme ça. À chaque rep, là. En bas. Ou, autre possibilité, augmenter l'écartement sur la barre. Le fait d'écarter plus, pour atteindre la même amplitude, il va falloir taper plus fort dans les dorsaux. Donc nécessite encore plus de force. Donc un autre moyen, ouais, en gardant par exemple une amplitude menton déjà comme ça, mais en prise large, nécessite plus de force qu'en prise classique, largeur d'épaule. Et il y en a une dernière, là ça met un mouvement un peu plus global. Vous pouvez faire toutes les variantes de traction là, dont je viens de vous parler, ou de vous montrer, avec les jambes à l'équerre, éventuellement, équerre stricte. Donc là ça va vous travailler aussi vos abdos, fléchisseurs de hanches, quadriceps. Voilà. Et niveau extension, le renforcement, au niveau de la tendineuse musculaire dans les épaules, dans les bras, le fait d'avoir les jambes à l'équerre est plus intense, donc complique aussi la position. Donc c'est un autre moyen de compliquer le truc. Voilà. Procéder, ouais, intensité sélective, comme ça, petit à petit. Pour toutes ces tractions de base, pour valider un niveau, une amplitude, jusqu'à la traction clavicule pronation, c'est 10 répétitions. Après, pour les autres, vous pouvez vous contenter de 5 répétitions. Donc là, parce que ça commence à être déjà plus difficile. Par exemple, de la clavicule prise large, série de 5, c'est pas mal. Ou de la clavicule largeur d'épaule, jambe à l'équerre, série de 5 aussi. Donc là, traction, pronation, poitrine contre barre, jambes à l'équerre, un petit exemple, une évolution supplémentaire dans la difficulté. Mais là, tac, touche, redescend tendu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Ouais, déjà, celles-ci, là, elles sont sérieuses. La 8e, bon, avec tout ce que j'ai fait avant, là, pour votre démo, je commençais un peu à fumer, j'ai du mal à monter. Et ça, par exemple, la traction poitrine contre barre, complète, jambes à l'équerre, viser un 5x5, et ce sera super quand on maîtrise. Quoi. On peut considérer que c'est un peu le niveau final de la traction complète en amplitude. Voilà. Après ça, on commence sur les variantes, soit les variantes unilatérales, traction archer, quoi. Pré-entraînement, traction un bras, ou pour la street workout gymnastique, on commence les tractions en false grip, aux anneaux, à la barre fixe. Et ça, le false grip, voilà. Petit passage là-dessus, hein. Sur une barre, on casse le poignet à 90 degrés comme ça. Ouais. Là, je suis en classique,
donc juste au-dessus du plexus. Et le fait de mettre en false grip, vous voyez, je descends la barre sous le plexus. Donc ça, le false grip, que ce soit aux anneaux ou à la barre, va vous permettre de passer les muscle-up tout en contrôle, en force, les muscle-up lents, notamment. En tant que gymnaste, l'objectif, un des challenges qu'on a dans le muscle-up, c'est faire la montée en 30 secondes. Ce qui n'a rien à voir avec les balanciers, les keeping de crossfit, où ils montent en une fraction de seconde. La gymnastique ou même street workout, force brute tout en contrôle, tout doucement jusqu'en haut. Et là, nécessite du false grip, et être puissant, fort dans tous les angles, dans toute l'amplitude du mouvement. Et c'est en vous entraînant, donc comme on vient de voir là, dans cette vidéo d'aujourd'hui, que vous parviendrez à ces exercices-là. Gagner un énorme paquet de force dans vos dorsaux. Voilà, donc ça conclut cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout un bon entraînement.